Bref, en septembre, on a choisi Carolus. En octobre, on n'avait toujours rien fait. En novembre, on avait un dessin. En janvier, on a voulu s'activer, et là, c'était la galère. Il a fallu aller chercher des sardines à vélo, des gobelets en plastique, des enceintes portatives, une rallonge électrique et un genre d'écorvis. Autant vous dire qu'on a eu du mal à s'en sortir. Laisse-moi à côté du trou. Le trou fait face à la Meurthe, parce qu'en fait il y a des eaux de pluie qui sortent par ce trou. Alors ça c'est les deux aglos, deux gros aglos que j'ai pris pour laisser ma maquette. Parce que vu qu'il y a des eaux qui sortent de là, c'est pour que la maquette se taille pas. Aglo. Aglo. Aglo aglo.
Voilà, c'est la maquette. Elle pèse lourd. Ça a été super, super chiant de ramener tout ça jusque-là. Et j'ai tout fait en un voyage, en plus. Avec deux pauvres cabas merdiques. C'était trop pète couille. J'en ai perdu mes bras. Maintenant, on passe au terrain. Bon, je la montre vite fait parce que j'ai vraiment dessiné le terrain complètement à l'arrache. Et j'ai vissé des petits animaux dessus, des petits poissons, des dauphins, des orques, une genre d'écrevisse. Alors, faut que je passe plus vite sur les animaux. À la base, j'aurais bien aimé percer dans le sol, mais c'était vachement dur quand même. Ça, c'est le ballon qui est censé flotter au milieu de la meurtre. Et pour qu'il se taille pas, et ben, je le laisse avec un aglo. Ça, c'est un aglo. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'aglos. Aglo. J'aurais dit beaucoup ce mot. Là, je le porte. Bon, il est chiant, il roule. Et vous voyez les deux gentils cygnes. Gentil, et gentil le cygne. Allez, tiens le cygne. Allez, prends ça, Brigitte, salope de Brigitte. Voilà, donc c'était le ballon. That long black train, yeah.
S'installe dans un parking, parce que le parking c'est un lieu de transition, c'est l'automobiliste qui devient piéton. Ce que j'ai voulu faire moi c'est projeter un ciel sur les plafonds pour casser un peu la matérialité brute des parkings. Donc en fait le résumé du projet c'est redescendre le ciel sur terre, tout simplement. Installation, donc ça nous a pris un petit peu de temps, mais en fait maintenant ce qu'il faut vraiment c'est pour voir la meilleure lumière il faut attendre la pénombre. Donc là il est presque 5h, on va attendre encore une demi-heure, une heure, et je pense qu'on va avoir un temps parfait pour exploiter le projet. Bref. Thank you.
seemed all unknowing and candid, but they suspected it was false. She's playful, but boring, would warn you be careful of her brigade in order to tame this relentless marauder. Move away from the parade. She was walking on the tables in the glass house, endearingly bedraggled in the wind, subtle in a method of seduction. 20 little tragedies begin. And she would throw a feather boa in the road if she thought that it would set the scene. Unfittingly dipped into your companions, enlighten them to make you see. Celui-ci à l'intersection du quartier Chevetov et du pont de la rue des Tiercelins. Ce lieu est avant tout un lieu résiduel en contrebas par rapport aux deux niveaux, car un niveau artificiel a été créé pour pouvoir laisser passer les péniches par le canal. Montrer ce lieu, c'est quoi? C'est avant tout montrer que c'est un lieu dans le lieu, c'est-à-dire que c'est un lieu parmi les fous. Ici le canal, ici le pont. Un lieu vraiment en contrebas, assez introverti. C'est pour ça que j'ai mis sur cette œuvre un miroir censé rappeler un lieu à part entière, articulant un peu tous ces espaces. Ce pont qui est un écran assez fort en fait, qui vient même tendre le canal sur la panoramique que vous voyez en dessous, et qui ici est repris par le fait qu'il tord de cet axe jusqu'à ce que cet axe essaie de passer au-dessus. Fait pour à l'échelle humaine, et de l'autre côté donc le canal qui est quelque chose d'assez calme, et entre les deux donc on a le village Lobo qui est accessible juste par une entrée, donc les immeubles sont à la rigueur coupés de tout leur contexte, donc c'est à dire que quand on se balade ici entre les immeubles on trouve une place du village, on trouve des petits chemins entre les jardins, on est vraiment coupé du monde de la ville bruyante qui est à côté. Et donc dans ce parc, il y a souvent des enfants qui jouent, des oiseaux, ou des péniches qui passent. Mais dans tous les cas, quand on rentre ici, on oublie la ville quasiment. Et quand on tend l'oreille et puis qu'on commence à écouter vraiment les bruits qu'on entend, on se rend compte qu'il n'y a jamais un silence complet. Et qu'en bruit de fond, il y a quand même le bruit des voitures du boulevard Lobo. Donc, pour montrer ce point-là, avec cet appareil-là, on va reprojeter dans une petite allée entre des jardins, des sons qui ont été capturés ici même. Donc, c'est-à-dire qu'on est venu ici avec un micro, on a enregistré le bruit qu'on entendait et on va le reprojeter à peine plus fort en intermittence, donc c'est-à-dire le son reprojeté plus fort, et ensuite la séquence se coupe, donc c'est-à-dire qu'on entend de nouveau, on entend l'oreille et on entend de nouveau le bruit du lieu en lui-même. Thank you.
Là, il y a cette fille qui m'a dit « Regarde mon tuyau, c'est le plus gros !» C'était pas intéressant. En plus, il fait du bruit. C'était vraiment pas intéressant. Elle se met à faire des nœuds. Du coup, je réplique. Mais j'avais pas de gros tuyau, juste un maillet. J'ai jamais su à quoi ça servait. Je me débine pas. Je décide de faire sonner ce maillet comme jamais aucun maillet n'a sonné.
de ces parcs-là, parce que c'est un parc qui est caché entre des bâtiments. Alors, comme vous voyez là, c'est une petite porte qui s'ouvre dans la rue. Alors, j'ai fait des petits jardins, des plus organiques à plus artificiels, par l'entrée, qu'on voit des lapins. Et tandis qu'on s'approche, les jardins sont ils s'affichent plus suivis. Alors les jardins sont des plus simples à plus compliqués, des plus loin à plus proches, jusqu'à on arrive dans les parcs. Et par exemple dans les derniers jardins là, de ces points là, on commence à voir que les parcs, c'est un parc pour les enfants. Et c'est pour ça, c'est ça qui explique qu'il y a des petites figures géométriques, des cylindres, les plus simples, en verre, et prismes hexagonales, et des prismes carrés, et tout ça. Et on finit par la caisse qui contiendrait une forme géométrique. Bref.
faire la sauce. Là, elle me regarde. Du coup, je me suis demandé si c'était ma tête qui lui revenait pas, la caméra, ou la moussaka qui passait pas. En fait, c'était pas pour moi. Là, on cherche des sacs poubelles pour emballer nos haut-parleurs et les mettre dans la poubelle et les mettre dans les bouches d'égout. C'est une très bonne idée qu'a eu Agile. Merci Agile. Bonsoir Victor. Si tu fais un magnifique d'homme, le papier va prendre la place. Ouais. Ouais. Top you've got on is nice. Bit too much fake tan though, but yeah, you score high. But there's just one little thing that's really, 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 really annoying me about you.
Elle a compris. J'ai compris qu'elle avait compris. Elle a compris que j'avais compris qu'elle avait compris. My gosh! Don't you just know it? I'm not trying to pull you.
bientôt nous réunir autour de cette table qui a été réinvestie au-dessus de cette enceinte de Nancy. La table pour moi c'est la famille, l'été, la fête, être ensemble. On peut lever un verre à la jeunesse. Ouais, y a la galette des rois. C'est ici que s'achève Carlos l'article 22, l'année 2013. Année de la fête. Où tout le monde est balèze. Du tenon mortaise, bon. De la serre piémontaise. Bravo! Trains.